Comment vous l'avez trouvé ce Beaujolais? Fruité, très agréable, frais, assez rond en bouche, pas d'acidité, donc un Beaujolais sympa, festif. Le Beaujolais, il se vend toujours aussi bien, est-ce que la tradition se continue et perdure? Oui, la tradition continue, c'est un moment de se retrouver avec les amis, les copains, et puis de sortir la charcuterie, le pâté, et puis de passer un bon moment. Comme tous les ans, il est meilleur que celui de l'année dernière. Hein, tous les ans, on dit qu'il est meilleur. Non, franchement, depuis une bonne dizaine d'années, le Beaujolais mérite d'être bu. Moi, je viens de Lyon il y a une trentaine d'années. Fallait un petit peu quand même s'accrocher pour le boire. Bon, c'était l'occasion de faire la fête, de se retrouver avec les copains et les copines aussi. Mais il était beaucoup plus hard, acide. Aujourd'hui, c'est un vin qui se boit en toute convivialité et puis qui vieillit bien aussi. Parce que le Beaujolais, il faut le boire tout de suite. Non, on peut le garder aussi, le Beaujolais. Le domaine de Chanteclerc, eh bien, il reflète bien le goût du Beaujolais primeur. Hein. Il a un bon nez et une belle... Il est bien goulé. C'est très bon. Après, on va arriver dans des Beaujolais villages. On sait qu'on aura plus de matière. Bon, c'est peut-être un peu plus mieux vinifié tout cela, mais c'est très bon également. Et puis Jadot, qui est un haut de gamme. Bon, Jadot, c'est toujours fidèle à lui-même. Hein. C'est très bien. C'est vraiment bon. Voilà. Est-ce que c'est un moment festif pour les jeunes, le Beaujolais, ou pas? Oh, sinon, chez les jeunes, ça passe assez inaperçu, mais bon, je viens en compagnie de mon père et puis ben, je découvre le vin.